Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil de ville de Témiscouata sur le lac du mardi 5 septembre, donc le lendemain de la fête du travail. Beau temps est avec nous. Donc, merci d'être là, les gens qui sont ici à la salle, ceux qui nous suivent à la maison. Donc, aujourd'hui, somme toute, une séance relativement courte en termes de résolution. Je ne veux pas dire jamais courte en termes de durée, parce que parfois, on a des périodes de questions plus longues, mais somme toute, en termes de résolution, assez courte. Donc, on en profitera aujourd'hui pour faire quand même des suivi important. On vient de sortir d'une période estivale assez mouvementée, moules zébrées, dégâts sur la rue de la plage. Donc, on va vous faire des mises au point aujourd'hui. En début de rencontre, je vous dirais très importante, on a un invité aussi de la RIDT qui est là pour faire un suivi au niveau des dossiers de la gestion des matières résiduelles. Donc, on va se lancer sur le champ avec une proposition de l'ordre du jour. Donc, l'ordre du jour a été proposé, adopté tel que présenté à l'unanimité, donc évidemment sans particularité, sans ajout ou modification. On a aussi le procès-verbal de la rencontre du mois d'août, donc qui a été géré par mon maire suppléant, M. André Brault, donc la séance ordinaire du 4 août, du 14 août, excusez-moi, qui a été approuvée et résolue unanimement. Donc, on va débuter avec la période des informations. Je vais céder la parole à Jean-Marc dans un premier temps, qui va vous présenter un projet qui lui tenait à cœur comme membre du Conseil, mais pour lequel le Conseil, on avait une préoccupation aussi, donc la mise en place d'un processus de sélection pour reconnaître nos bâtisseurs chez nous. Donc, un comité qui a été mis en place. Donc, on a des annonces à faire en ce sens-là et Jean-Marc va en faire la présentation. C'est lui qui est sur le comité en question. Bien, merci. C'est avec beaucoup de fierté que j'annonce aujourd'hui le début de l'opération « Rendre hommage à nos bâtisseurs ». Le Conseil de ville désire reconnaître de manière durable les gens qui ont marqué notre histoire vieille de 150 ans. Notre génération profite aujourd'hui des actions de nos prédécesseurs et plusieurs d'entre eux ont posé des gestes remarquables qui ont eu comme effet de rendre notre milieu un meilleur endroit pour y vivre. Ce sont eux qui mérite le titre de bâtisseur. Un comité a été créé pour mettre en place une consultation citoyenne afin d'identifier ces personnes qui ont marqué notre histoire. Nous lançons maintenant un appel à tous afin de compléter notre travail. À compter du 11 septembre prochain, un formulaire sera disponible sur le site de la Ville sous forme électronique et à l'hôtel de Ville sous forme papier. Tous les détails pour les propositions seront disponibles sur le site de la Ville et dans le Témiscouata du mois d'octobre. La période de proposition s'étalera du 11 septembre jusqu'au 15 décembre. Par la suite, un comité aura le mandat d'évaluer les propositions et de faire des recommandations au Conseil de ville. J'espère une grande participation à ce projet que je trouve emballant. Fait qu'à l'écran, ben, on voit la page frontispice là, du projet. Alors, en septembre et puis en octobre, puis en novembre, vous aurez tous les détails pour le voir. Je sais pas si le MATV le voit ou si c'est ça. Oui, mais c'est présent. Le voir, oui. Parfait. Bien, merci. Voilà. Bon, parfait, Jean-Marc. Donc, au cours des prochains jours, là, Anacha Communication va transmettre de la documentation sur nos réseaux sociaux pour autant le formulaire à remplir pour présenter une candidature de bâtisseur, mais aussi là, les critères, parce que bon, il y a quand même un comité qui a réfléchi à ça. Là, il y a des critères de priorisation, en tout cas de sélection, donc qui doivent être
qui doivent être, je dirais, reconnus là, de façon formelle avant d'être présentés au comité. Donc, au cours des prochaines semaines, prochains jours, on vous fera une publicité, des publications là-dessus pour présenter le projet. Ultimement, le comité, comme Jean-Marc le mentionnait, fera des recommandations pour certains nombres de bâtisseurs. Donc, des critères, on le mentionnait. Donc, c'est une sélection qui va être faite par un comité indépendant du conseil. Ça sera soumis au conseil. Puis après ça, on prendra une décision sur quel moyen de reconnaissance on met. Est-ce que c'est un tableau? Est-ce que c'est des plaques commémoratives? Donc, on aura à décider à ce moment-là en fonction là, des présentations qu'on aura. C'est une démarche qui se fait pour l'instant sous forme unique. Donc, ce n'est pas une mise en candidature annuellement qu'on va faire. Donc, on veut vraiment identifier vraiment nos bâtisseurs de notre région. Aujourd'hui. Puis après ça, ben, on verra pour la suite. Mais ce n'est pas une activité de reconnaissance qu'on fera d'année en année de façon récurrente. Mais vraiment, c'est une démarche pour donner une place à nos bâtisseurs. Ça va? Donc, Jean-Marc, on aura sûrement des questions au cours des prochaines séances. Dont on aura l'occasion d'y répondre. Maintenant, en information, je céderai la parole à Ginette que deux points d'information nous transmettre. Oui, j'aimerais mentionner deux spectacles à venir. Ce vendredi 8 septembre, à la salle du Beaulieu culturel, un premier spectacle organisé par Source d'espoir Témis. Donc, c'est un spectacle d'une chanteuse, Mme Lucie Legault, qui aura lieu au Beaulieu à compter de 19h. Donc, la cause est noble et c'est une manière agréable de soutenir la cause en assistant au spectacle. Le numéro de téléphone pour plus d'informations, le 418-860-5109. Un deuxième spectacle à venir à la salle Témiscouata. Il s'agit du groupe Événements JDS Productions qui prépare un spectacle intitulé « Time It Was ». C'est un spectacle musical qui aura lieu à la salle Témiscouata où on va mettre à l'honneur Cat Stevens et Simon & Garfunkel. Donc, on nous promet une soirée agréable et peut-être pour certains, une certaine nostalgie et pour d'autres, peut-être une découverte. Donc, il y a eu des succès de ces grands chanteurs qui ont été repris plus récemment. Donc, un beau spectacle en vue. À nouveau, vous pouvez aller recevoir de l'information additionnelle en téléphonant au 418-321-1298. C'est vendredi le 15 septembre à 19h30 à la salle Témiscouata. Merci. Merci, Ginette. Donc, je vais poursuivre en termes de points d'information. D'abord, je sais que ça a été fait en partie lors de la dernière séance. André s'est fait un honneur là, de faire des différents remerciements, mais comme maire, je trouvais important de revenir sur notre période estivale. Donc, je tiens sincèrement à remercier d'abord nos étudiants, l'équipe du PEV, donc Parc et Espace Vert et événements qu'on a ajouté dans l'appellation PEV. Donc, des jeunes qui sont venus nous supporter autant au niveau du camping que de nos activités au niveau des événements qu'on a eu à assurer un accompagnement des organisateurs, tous nos espaces verts qui ont été très bien entretenus pendant la période estivale. Donc, un grand merci à eux. Évidemment, toute notre équipe de sauveteurs qui nous ont quittés jusqu'à vendredi dernier. Je pense qu'on avait des surveillants de plage. On avait encore des surveillants de plage hier. Donc, pour la plupart, c'est un retour aux études. Merci de votre travail. Et évidemment, je veux remercier en particulier cette année les gens des travaux publics, l'administration aussi, parce que, bon, j'en ferai état tantôt, mais on a été mouvementé en termes de dégâts au niveau de nos infrastructures, des intempéries de météo. Je tiens à remercier la disponibilité des gens là, pendant la période de vacances, donc ça a été grandement apprécié. Évidemment, je veux souligner l'implication aussi de notre communauté dans les différentes activités qui ont été présentées cet été. Évidemment, je pense entre autres à la grande réussite des Mercredis du Parc, donc Fanny Bossé qui est en relève là, pour une première année. Donc, merci évidemment à tous les bénévoles, tous les organisateurs, les gens qui ont préparé à ce bel événement. Évidemment, le Témis en bière, l'équipe à Stéphane Paradis qui nous a encore offert une belle année de festivités à ce niveau-là, malgré dans leur cas, ce qui n'était pas le cas. Les Mercredis du Parc, on a eu du beau temps, le festival Témis en bière était un peu plus ardu, mais quand même très belle activité. Je pense au marathon de la persévérance scolaire. Je pense aussi à l'événement de Mathis Bourbonnais qui est venu chez nous, la traversée du lac. Très, très, très beau parcours. Félicitations à Mathis.
Bourbonnais. Cette fin de semaine, on avait le Drag Fest, donc qui a attiré quand même un bon nombre de personnes chez nous. Belle activité de ce côté-là. On a eu l'activité aussi du côté là, du Beach Party à Notre-Dame, où la fabrique a pris en charge la restauration. Il y a eu des magnifiques feux d'artifice. Donc, merci évidemment à toutes les personnes qui ont été impliquées dans ça, les gens de la ville aussi, les gens qui ont participé. Je pense que ça montre le dynamisme de notre ville. Puis, on doit en être très fiers. Puis, malgré le fait, je le redis, que André avait fait des remerciements, c'est pas pour passer par-dessus lui, mais c'est vraiment pour resignifier notre appréciation de l'ensemble des gens qui assurent que notre milieu de vie est dynamique. Donc, revenons sur les événements de la rue de la Plage. Donc, c'est important. 15 juillet, on a été surpris par une pluie, je dirais une averse torrentielle pendant plusieurs heures qui a causé un affaissement de terrain là, dans le coin de la rue de la Plage. Ça en est suivi un débordement important au niveau du ruisseau Bernard qui a causé évidemment des dommages à nos infrastructures. Malgré tout, je crois qu'on a réussi avec l'équipe des travaux publics, puis aussi la participation citoyenne que je tiens évidemment à ressouligner à nouveau parce que je l'ai fait dans les médias. Donc, tout le monde a mis l'épaule à la roue pour mettre en place des digues de protection, là. Donc, il y a peu de maisons, peu d'habitations quand même qui ont été inondées. Mais malgré tout, on a eu des dommages importants là, au niveau, évidemment, de la rue de la Plage. Donc, suite à ça, on a rapidement ouvert un comité de gestion de crise avec la direction, les travaux publics, en partenariat là, avec le ministère des Affaires municipales, l'environnement et la sécurité civile pour mettre en place là, les interventions à faire en situation de cas d'urgence, donc qui ont nécessité des prises de décision rapides. Donc, évidemment, on a fallu agir très rapidement dans ce cas-là. Donc, des travaux qui ont débuté au retour de la fête, pas au retour de la fête du travail, mais au retour des semaines de la construction. Et puis, au début août, comme vous le savez, on a eu un deuxième coup d'eau très important qui a réoccasionné un débordement du ruisseau Bernard. Heureusement, on avait maintenu nos digues là, de protection, ce qui a fait en sorte qu'on était capable quand même, somme toute, de limiter les dégâts. En date d'aujourd'hui, les travaux vont bon train. Si les gens vont se promener dans ce coin-là, notre nouvelle canalisation a été posée, installée. Donc, on parle d'une canalisation d'un diamètre de 5 pieds. Le tracé du ruisseau a été évidemment déplacé. Donc, on se rappellera que c'est un tracé qui passait sous un bâtiment privé. Donc, évidemment, on a procédé par l'installation de la canalisation sur des terrains où il n'y avait évidemment pas de bâtiment. Donc, ça, c'est installé. On est en train de finaliser là, le remblai de tout ça. Puis, au cours là, de la prochaine semaine et demie, maximum 2 semaines, on devrait avoir le pavage de la rue de la Plage qui devrait être fait. Probablement quelques bordures à faire aussi, de l'asphaltage. Y a-t-il des stationnements d'asphalté? Je pense qu'il y a peut-être des stationnements devant le Motel Royal, entre autres. Donc, d'ici les 2 prochaines semaines, ça devrait être terminé. Pour ce qui est des infrastructures de la rue de la Plage. Évidemment, on est en démarche avec le ministère. On a été déclaré là, zone sinistrée. Là, je ne sais pas si c'est le terme exact. Là, On est sinistré, donc ouais. Comme ville. Donc, on fera une présentation de l'ensemble des coûts qui devrait s'approcher proche du million de dollars, fort possiblement. Ouais. Donc, on fera les présentations aux différents ministères pour aller chercher les subventions qui sont admissibles, pour lesquelles on est admissible. Et on accompagnera aussi les citoyens là, dans leur démarche auprès de la sécurité civile là, pour aussi eux aussi puissent avoir accès à des programmes de subvention parce que, évidemment, tout ce qui est privé bien, demeure dans le privé. Là. La Ville n'assumera pas la responsabilité de l'ensemble là, des coûts de réparation, mais la sécurité civile, par des programmes de subvention et de soutien, le fera. Donc, au cours des prochaines semaines, c'est ce qui restera à faire. Évidemment, si vous avez suivi l'actualité, vous m'avez entendu parler de bassin de rétention. Évidemment, on a un bassin de rétention présentement qui a, lors des pluies du 15 de juillet et celle du mois d'août, qui a été saturé. Même c'est à l'occasion, je pense qu'il y a eu des débordements, qu'il y a eu des effets sur la rue Esdras, entre autres. Je sais que des citoyens sont venus à la séance du 14 août poser des questions, qui étaient tout à fait légitimes, évidemment.
J'ai demandé à l'administration de faire un relevé de littérature, un relevé de dossier pour savoir où on en était où, parce qu'on m'avait dit qu'il était supposé d'avoir un deuxième bassin de rétention. Donc, on a fait des vérifications. Madame Amélie Dionne, notre députée aussi, a fait une évaluation de la situation. Donc, effectivement, il y avait un deuxième bassin qui avait été réfléchi. On avait des travaux aussi à faire au niveau de la ville. Donc, au cours des prochaines semaines, je dirais à court terme, on va mandater la firme Tetra Tech de nous faire un rapport de l'état de la situation complet. Donc, autant à la sortie du ruisseau Bernard, en haut du ruisseau Bernard, au niveau du bassin de rétention, bien, tout ce qui se trouve entre les deux. Donc, de nous faire un topo le plus précis possible de l'état de la situation, des besoins en termes de d'écoulement des eaux. Donc, et on aura des décisions importantes à prendre. C'est certain qu'à prime abord, la possibilité d'avoir à remplacer une conduite sur la rue Esdras sera sûrement évaluée, sera sûrement à l'étude. On parle de travaux de 1,6 million, donc pour mettre ça en état, pour changer cette portion de canalisation-là. Donc, vous comprendrez qu'un 1,6 million qui nécessite des travaux, je vous dirais, rapides, parce que, bon, on veut éviter, évidemment, que ça se répète avec le temps. Donc, c'est sûr qu'on parle de budget prochainement, on aura des décisions importantes à faire. La ville, bien, il faut voir la ville dans son ensemble. Puis, 1,6 million, là, c'est des coûts très, très importants. Donc, pour ce qui est de la rue de la Plage, c'est pas mal le topo de la situation que je voulais vous faire. Je sais qu'il y a des résidents qui étaient en attente au niveau du secteur, là, justement, ou à proximité du bassin, donc dans le coin de la rue Esdras. Donc, pour répondre aux questions qui ont été posées à André le 14 août, là, il va y avoir une étude de la situation, puis on va revenir avec ça. Bon, on va vous tenir informé là, des développements là-dessus. Oui. Ce qu'on a dit aussi, c'est qu'un coup qu'on va avoir l'analyse et les recommandations des ingénieurs, il y a des personnes, entre autres un monsieur Bilodeau, si je ne me trompe pas, Michel, qui est venu ici, qui dans le fond est le porte-parole d'un comité. Fait qu'on va prendre le temps de s'asseoir puis un peu partager notre information, puis justement prendre des décisions pour faire en sorte que l'ensemble, globalement, qu'on règle la situation du ruisseau Bernard, que ce soit le bassin, que ce soit les conduites, que l'ensemble de l'œuvre soit analysé, puis qu'on en ait, qu'on donne tout en paix après. Parfait. Merci, Chantal, de ces ajouts de précision. Merci beaucoup. L'autre dossier dont je veux vous parler, la moule zébrée, donc un dossier qui a été quand même aussi, je vous dirais, assez chaud cet été. Donc, c'est aussi un dossier que j'ai eu à commenter dans les médias. Présentement, Témiscouata sur le lac, mais je vous dirais, au Témiscouata, il y a une soumission qui a été faite pour l'achat groupé de bornes de bornes interactives, donc pour se procurer là, des droits de lavage puis donner accès au lac avec des guérites automatisées. Donc, au cours des prochaines semaines, bien, d'ici vendredi, on fait notre borne commande. Donc, pour Témiscouata sur le lac, on est toujours dans la mise en place d'une station de lavage avec des bornes automatisées doubles au centre récréatif PGR. Donc, on parle de deux bornes interactives là, avec une guérite automatisée à la station, pas à la station, mais à la marina de Notre-Dame-du-Lac. Du côté du secteur de Cabaneau, on est toujours en opportunité de développer une station de lavage double aussi sur l'ancien terrain du ministère des Transports. Dans ce cas-là, il reste du travail à accomplir. On a des ententes à fixer là, avec le ministère du Transport, entre autres, sur l'occupation de ce terrain-là, avec une possibilité de vente. On n'est pas très chaud à l'acquisition du terrain comme tel parce que ça va amener de la taxation supplémentaire pour mettre en place une station de lavage qui est quand même de compétence provinciale, la gestion des cours d'eau. Donc, on veut essayer d'éviter de la taxation au niveau des citoyens là-dessus. Donc, on est en train de regarder pour l'occupation de ce coin-là. Et avec deux guérites automatisées, donc une à la marina Pomerleau et une à la marina du secteur de Cabaneau. Donc ça, c'est pour l'installation de nos infrastructures. Maintenant, pour les résidents du secteur de la Seigneurie, donc si vous avez suivi nos réunions de conseil depuis quelques mois, il n'y a pas de surprise. On vous a fait effet qu'on était avec le ministère de la Faune et de l'Environnement sur des questionnements par rapport à la descente, qui n'est pas nécessairement une descente dans le coin de la rue Seigneurie. Vous avez vu de la réglementation passer, des autorisations demandées, et dans le courant de l'été,
Oui, vous avez vu que cette descente-là a été barrée. Donc, pour l'instant, cette descente-là va rester barrée. On évaluera la possibilité, suite aux commentaires qu'on a retenus au niveau des résidents, de la possibilité de peut-être mettre une barrière, et je dis vraiment peut-être, on l'évaluera avec un cadenas, avec des clés qui pourraient être juste aux résidents. Par contre, quand on parle de la protection du lac, plus qu'on multiplie les possibilités de descente, plus qu'on multiplie les possibilités d'un non-respect de la réglementation, puis plus qu'on augmente la gestion des accès et la difficulté d'avoir, je dirais, un maximum de protection au niveau de notre lac. Donc, je dis vraiment, on analysera la situation. Je sais que dans le coin de la Seigneurie, on a fait des démarches aussi, on a dirigé les gens... excusez, vers la MRC, parce que la gestion des accès appartient à la MRC. Donc, Chantal t'a fait rediriger les gens vers la MRC. Il semblerait que certains résidents ont des autorisations du ministère de l'Environnement, entre autres. La MRNF. La MRNF, la faune et des forêts et des ressources. Bon. Ce ministère-là. Mais les abréviations changent de chaque gouvernement, puis je l'ai toujours dit, les abréviations, c'est pas une de mes forces, ça rentre pas dans mon, ça rentre pas dans mon cerveau, donc j'ai beaucoup de difficultés. Donc, un certain ministère a été interpellé sur la base que des résidents auraient des accès de permis. Donc, si ce ministère-là veut nous les confirmer, il le fera, mais pour l'instant, on n'a pas ces confirmations-là et les gens sont redirigés vers la MRC. Donc, je le répète, la descente de bateau, qui n'est pas une descente de bateau dans le coin de la Seigneurie, est barrée, il va demeurer barré, et on évaluera au cours des prochaines semaines, on fait quoi avec cette descente-là, mais il ne devrait pas y avoir non plus de guérite automatisée. Il y a des défis au niveau de l'informatique, des défis au niveau de l'électricité, des défis au niveau de la gestion, et on n'est pas sur notre terrain. Donc, pour la moule zébrée, c'est ce que je voudrais dire. Je voudrais profiter de remercier les gens du tournoi de pêche, mois de juin. Donc, on a une très belle activité avec Pêche et Océan Canada qui sont venus chez nous, avec les gens du bassin versant aussi. Donc, très belle activité qu'on a été, je pense, proactifs à ce niveau-là. Vous allez voir, ce soir, on a une résolution d'ailleurs qu'on présente à Océan Canada pour avoir un projet de subvention justement pour nos projets de guérite. Donc, je pourrais vous en dire un petit peu plus tout à l'heure, mais ça a été une très belle activité, belle collaboration de tout le monde, autant des pêcheurs que des gens de l'association de pêche. Donc, ça a été géré de très, très belle façon. On est très heureux de ça. Autre point d'information, le centre de loisirs. Donc, au printemps dernier, on a rencontré des gens qui nous sont venus nous faire une présentation des besoins en termes du centre de loisirs dans le secteur de Notre-Dame-du-Lac, représenté par M. Gaston Ouellet. Donc, le conseil a pris en considération les différentes demandes. On avait déjà demandé à notre service des loisirs de faire une évaluation en termes d'organismes communautaires, organismes sportifs, des besoins qu'on avait en termes de locaux, en termes de rangement, en termes de besoins de local de rencontre ou d'activité. Donc, cette étude-là a été faite, ce sondage-là a été fait. On a, malgré cela, de mandater Sophie, notre directrice, Sophie Côté, notre directrice des loisirs, à rencontrer individuellement chacun des organismes parce qu'il y a des questionnements pour lesquels on voulait aller un petit peu plus loin. Maintenant, on avait mentionné que les locations de salles pour la salle Le Détour et la salle Témiscouata soient mises sur pause à partir du mois de décembre, si je ne me trompe pas. Ouais, puis même à automne pour... À l'automne. Parfait. Ceci étant, il n'y aura pas de travaux qui vont se travailler là cet automne, ça c'est certain. Donc le conseil a décidé d'aviser la population que autant la salle Le Détour que la salle Témiscouata seront disponibles pour des locations d'ici le mois d'avril, le 30 avril 2024. Donc, au cours des prochaines semaines, on va travailler à mettre en place, évaluer les besoins, puis à faire une évaluation de la situation. Mais je le répète, on aura des grosses décisions à prendre au niveau budgétaire au cours des prochaines semaines et ça fera partie des décisions qu'on aura à prendre au niveau là, des prochains gros projets d'investissement que la Ville aura à faire. Je termine mon point d'information et je vais être accompagné d'un invité qui va joindre à moi, M. Maxime Groslot, directeur général de la RIDT, pour faire un état de la situation. Je vous avais mentionné l'automne dernier l'orientation que la Ville prenait, mais je vous dirais que l'ensemble des municipalités au Témiscouata prenait, d'évaluer l'état de la situation au niveau de la gestion des matières résiduelles.
Donc, il y a différents éléments qui sont à prendre en considération. D'abord, vous le savez, parce qu'on en a fait mention, on a de la réglementation du gouvernement à respecter, donc on a des cibles à atteindre. Donc, l'an passé, on a fait, Maxime a pris des décisions très courageuses de disponibiliser sur l'ensemble de notre territoire des composteurs individuels. Donc, plutôt que mettre en place la gestion de fameux gros bacs bruns qu'on gère avec des camions, donc qui seraient extrêmement nocifs au niveau de l'environnement, on a décidé de mettre en place pour atteindre nos objectifs là, de diminution de notre tonnage dans nos sites d'enfouissement. C'est bien ça, Maxime? C'est un des objectifs, de diminuer notre tonnage? Oui, principalement. Donc, ça a pris une décision courageuse. C'est pas tout le monde qui comprenne l'utilisation du composteur. Certains ne sont pas satisfaits de ça. Par contre, on a mis aussi en place la collecte, qui est quand même assez populaire, Maxime. Donc, à différents endroits sur le territoire de la ville, il y a des gros bacs bruns dans lesquels on peut mettre des matières organiques dedans. Ça fonctionne très bien. En date d'aujourd'hui, en rencontre avec Maxime ce matin, un chiffre qui parle beaucoup, là, on va parler en livres de patates, là, 500 000 livres de patates qu'on n'a pas mis dans notre cellule de site d'enfouissement, mais qu'on a envoyé là, en termes de matière organique recyclable à la CMR dans le coin de Rivière-du-Loup. Exactement. C'est vraiment les matières qui ont été déposées dans les gros conteneurs d'apport volontaire. Juste dans les gros conteneurs. Oui. En plus, les gens ont pu bénéficier de leur composteur chez eux. On n'a pas de tonnage parce que c'est dur à monitorer. Exact. Les branches dans les éco-centres, les dépôts municipaux qu'on a dans les 19 municipalités. Donc, c'est des tonnages encore beaucoup plus importants qui n'ont pas été mis à l'enfouissement. De sorte qu'on a réussi, là, au cours de la dernière année, à diminuer, là, dans notre site d'enfouissement, on a diminué de 5 % le tonnage qui a été amené là dans la dernière année sur la moyenne des 5 dernières années. Oui. C'est bien ça? Ouais. Fait que ça, ce que ça démontre clairement, c'est que les actions, malgré le fait que parfois font réagir, ont des raisons d'être. Donc, je le mentionnais, on a des objectifs gouvernementaux à atteindre là-dessus, puis on est évalué là-dessus. Donc, si on n'atteint pas les objectifs, on pourrait se faire imposer encore la gestion de fameux bacs bruns à roulettes, là, si je ne me trompe pas, Maxime. Donc, évidemment, on ne veut pas aller là parce que, de notre point de vue, sur le territoire, l'immensité de notre territoire, en termes environnemental, il n'y aurait pas des gains très intéressants à faire. Donc, on continue de travailler avec les gens. Je pense qu'il y a un virage qui est en train de se faire au niveau du compostage. Je pense que les gens qui ne font pas de compostage, mais qui vont avec les chaudières qui se vissent là, hermétiques, faire leur vidange dans des bacs bruns à différents endroits sur le territoire, qui sont très, très bien positionnés aussi. Je pense qu'on est capable, on a moyen de faire des avancées encore plus intéressantes là-dedans. Mais je pense que c'est important de le faire. Donc, on a des objectifs gouvernementaux, des enjeux gouvernementaux. Je vous dirais aussi, évidemment, on a des enjeux environnementaux. Donc, aujourd'hui, on va vous faire la démonstration que la gestion des ordures, puis des différentes matières, puis le tri, c'est très, très important. Maxime me mentionnait aujourd'hui que là, on arrêterait de tout faire, on ne ferait plus aucun tri, plus de recyclage, on ne va plus apporter de matière à nos éco-centres. Donc, on va tout porter ça au site d'enfouissement, donc du secteur de Dégely. La durée de vie de notre cellule, on en aurait pour 7 ans. Présentement, avec ce qu'on est en train de faire en termes de recyclage, de récupération, de donner des deuxièmes vies à des articles, on a une durée de vie de notre cellule de 23 ans. Donc, il faut comprendre qu'une cellule comme celle-là coûte, au bas mot, combien de centaines, voire de millions de dollars, Maxime? L'ensemble des cellules, il y en a pour 5 millions de dollars. Donc, l'ensemble des cellules qu'on a à Dégely, oui. Il y en a une qui est complète. Oui. On en a pour 5 millions de dollars. Oui. Fait que vous comprendrez que quand on parle de la gestion des matières résiduelles, des vidanges, ça a un coût qui est extrêmement dispendieux, mais on a des enjeux au niveau environnemental, comme je le faisais, parce que une cellule, quand on la ferme hermétiquement, puis qu'on y met une couche de terre par-dessus, puis qu'on plante des arbres, même si ça peut paraître bien beau, après 5 ans, 10 ans, les vidanges sont encore en dessous pour combien d'années, on le sait-tu, Maxime? Plusieurs centaines d'années. C'est sûr. Plusieurs centaines d'années, ouais. Pour être sûr que le monde le comprenne bien. Ça ne bouge plus. Puis ça bouge plus de là. Bon, on a un beau tas de terre par-dessus avec des arbres, ça a de l'air beau, mais les vidanges sont encore en dessous. Ouais.
Oui. Donc, c'est très important. L'autre élément qui nous amène à notre réflexion, qu'il ne faut pas négliger nous aussi, c'est que c'est la gestion des gros bacs à ordures. Donc, on a les bacs à roulettes individuels, mais on a les gros bacs à ordures. Les conteneurs, hein, communément appelés les conteneurs. Il y a des enjeux de sécurité. Et il y a des enjeux au niveau de notre contracteur sur le non-respect de certains éléments. Je vous donne un exemple, puis on ne tombera pas dans les photos tout de suite, parce que même qu'on montre les photos, on veut s'assurer que le monde ait l'attention à ces photos et non pas ce qu'il dit, parce que vous allez voir, on a des belles photos pour vous autres aujourd'hui, qui n'ont pas été prises à Montréal ou à Québec, hein, ils ont été prises au Témiscouata. Hein? C'est important de le dire. Et toute ressemblance avec les milieux n'a aucune intention de présenter quoi que ce soit. C'est vraiment par le pur hasard, comme on dit à la fin des téléromans. Donc, vous allez voir ça tantôt, ça va être super intéressant. Donc, il y a des enjeux de sécurité et il faut comprendre que notre contracteur, lui, quand il décide qu'un bac est dangereux pour son conducteur parce qu'il y a des matières qui tombent sur son camion parce que le conteneur est complètement défoncé, bien, il peut arrêter puis de complètement vidanger ce conteneur-là et on n'a pas grand-chose à faire. Il faut savoir aussi que ces conteneurs-là, a une répercussion sur l'ensemble de la facture de tout le monde, alors que le nombre de bacs à roulettes n'a aucune incidence. On est à forfait. Donc, si j'ai par exemple un conteneur à déchets que je remplis au 1/25e parce que ça a toujours été comme ça, bien lui, il y a un coût pour la facture pour l'ensemble des citoyens, alors que si je le remplace par exemple, deux bacs à roulettes individuels qui vont faire la job, j'ai aucun coût additionnel et au contraire, en enlevant le conteneur, j'ai des économies. Donc, vous comprendrez que cette évaluation-là qu'on fait à Témiscouata-sur-le-Lac, mais on n'est pas uniquement à Témiscouata-sur-le-Lac, c'est sur l'ensemble du Témiscouata qui est en train de se faire. Je sais que Maxime travaille avec d'autres municipalités présentement. Donc, on est en train de travailler ça. Et c'est vraiment des choses qui sont importantes à améliorer. On a rencontré des citoyens quelque part au mois de juin. Oui. Pour justement, il y avait une problématique dans un secteur. Ce qu'on vous présente aujourd'hui, vous n'aurez pas les réponses à chacun des territoires visés par les conteneurs. Donc, par exemple, les citoyens qu'on a rencontrés, je ne vous amènerai pas la résultante ce soir. Ce qu'on va faire au cours des prochains jours, avec Maxime ce matin, on a convenu d'un envoi postal qui serait fait à l'ensemble des résidents concernés. Marie-France va rédiger le dit envoi postal. Il va être soumis à l'approbation de Maxime parce qu'on travaille en partenariat avec la Ville sur la direction générale et moi-même. Une fois que ça va être adopté, on va transmettre les envois postaux avec les actions à faire et les actions que la Ville prendra. Donc, il peut y avoir des enlèvements de conteneurs, il peut y avoir des ajouts d'un conteneur à recyclage, des remplacements par des bacs à roulettes de recyclage et l'achat de bacs à roulettes pour les vidanges. Donc, il y aura différents éléments qui seront pris en considération. Donc, juste pour vous donner quelques chiffres sur l'ensemble du territoire témiscouatin, quand on parle de conteneurs, j'ai fait un petit sondage tantôt. Au Témiscouata, dans son ensemble, on a 926 conteneurs à déchets et recyclage conjoints, et qui nous coûtent, représentent un budget collectif d'environ 500 000 $ par année. Et pour Témiscouata-sur-le-Lac, donc notre ville, donc chez nous, là, pas nos voisins, là, c'est 331 conteneurs présentement qui sont installés. Plusieurs sont inutiles, plusieurs sont mal utilisés. Quand je dis mal utilisés, bien, vous savez, des gros conteneurs avec des belles grosses portes doubles qu'on rouvre, là, ça rentre bien mettre le double là-dedans. Ça rentre bien un petit meuble de mélamine du jeune étudiant qui quitte pour son appartement. Mais ça, on a toutes les ressources pour faire du recyclage. Hein? Quand on parle de matière recyclable, évidemment, il y a le fameux bac bleu, mais vous avez les matériaux réutilisables au textile qu'on peut aller porter aux maisons de la famille. On a les matériaux de construction qu'on peut aller porter au centre de tri de la RIDT. Les meubles et accessoires peuvent être apportés là. Ce qui est récupérable, il y a un organisme communautaire qui en fait la remise en valeur et qui en font la revente. Les résidus verts, les branches, les matières organiques, il y a un endroit aussi à la RIDT dans notre secteur à Cabaneau pour faire ça.
Il y a les résidus domestiques dangereux quand on parle de peinture, d'huile et tout ça, évidemment. On a des endroits pour faire la récupération de tout ça. Le plastique agricole, dans le secteur de Notre-Dame, on a un endroit pour le faire. La tubulure d'érablière à la rille d'été et tous les matériaux là, qu'on parle électroniques et tout ça, on peut aller batterie, etc. C'est tous des éléments qui peuvent être allés portés à l'éco-centre. Et je le rappelle, tous ces services sont tout à fait gratuits. Donc, on n'a pas de raison de ne pas faire les efforts. Présentement, ce qu'on constate, et on va y aller avec les photos, je sais que vous en mourrez d'envie. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a des conteneurs qui sont complètement brisés, qui laissent s'écouler des liquides qui peuvent polluer l'environnement, votre nappe phréatique, vos puits, vos veines d'eau, etc. On a des bacs, on a des endroits où il n'y a aucun recyclage, où dans les bacs ordures, c'est du carton, c'est du plastique, c'est des matériaux de construction. On trouve encore des cannes d'huile, des pneus, des batteries d'auto, du matériel, du fer qui peut être récupéré au vieux fer, donc différent. On a aussi des bacs qui sont... ça occasionne évidemment de la dangerosité parce que bon, sont pas bien en fonction, mais vous allez avoir des vermines, etc. Donc, il y a plein d'éléments comme ça. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec Maxime, on va vous présenter certains éléments. Je tiens par contre à spécifier quelque chose d'important parce que souvent, quand on parle de ça puis qu'on présente des photos, c'est une très petite proportion. Il faut dire que la très grande majorité de nos résidents font le travail. Hein, le recyclage se fait bien, nos éco-centres sont bien utilisés, mais on a encore un petit pourcentage pour lequel il faut faire des efforts supplémentaires. C'est ce qu'on a dit qu'on voulait intervenir l'automne dernier, utilisateurs-payeurs, puis de ceux qui font bien les choses, bien, d'essayer qu'ils continuent, puis de les valoriser, puis ceux qui le font pas bien, bien, essayer de mieux les encadrer. Ça peut aller jusqu'à des contraventions, donc on le verra tantôt avec Maxime, là, il y aura des décisions qu'on aura à prendre comme ville, mais je sais que la RIDT a commencé à émettre des constats d'infraction. Ça peut aller aussi jusqu'à ce que le contracteur décide de ne plus aller faire des bacs à telle adresse quand les matériaux qui sont pas adéquats. Donc, on peut arrêter la collecte des ordures ménagères et du recyclage si on retrouve. Vous allez voir parmi les photos, il y a même des gens qui poussent jusqu'à mettre de la peinture noire sur le bac à recyclage ou des sacs de vidange pour dire c'est pas du recyclage, ça, c'est des vidanges. Donc, les mettre la journée du vidange. Et ça, bien là, il y en a certains qui vont peut-être dire, là, il exagère, monsieur le maire exagère. Donc, on irait... moi, je pense qu'on serait rendu aux photos. Aux photos? Bon. Je pense qu'on serait rendu aux photos, Camillero. On va aller aux photos. Pour présenter quelques cas de... Et je le répète, là, on va fermer les lumières un peu, Marie-France. Ah oui, parfait. Peut-être juste une petite diapo avant pour faire du pot sur ce que tu disais, Denis. Le coût que représentent les matières résiduelles au Témiscouata, là, c'est 5,2 millions de dollars pour les 19 municipalités que ça coûte de les ramasser, de les enfouir ou de les traiter. C'est énormément d'argent pour des poubelles. La très grande majorité des gens font très bien ça. Ils participent à la mesure de leurs moyens avec leur bac roulant à la maison. Mais il reste, de manière historique, des gros conteneurs sur le territoire qui sont là depuis 15 ou 20 ans, puis qui étaient utilisés d'une manière à l'époque qu'on ne veut plus qu'ils soient utilisés. Pour vous donner une petite idée, là, le contenu moyen d'une poubelle, je pense que je l'ai déjà présenté, là, mais au Témiscouata, 30% des déchets devraient réellement se retrouver dans une poubelle. Tout le reste, ça devrait être, par exemple, 12% des matières qui sont mises à la poubelle auraient dû être mises dans le bac à recyclage. 36% des matériaux auraient dû être compostés ou déposés à l'éco-centre ou dans un point de dépôt municipal. Et 22% des matières acceptées aux éco-centres ont été mises à la poubelle. Ça, Dans le bac ordure, on a 32% du bon stock qui devrait s'y retrouver? On a 30%, oui, le bas. Ce qui est bon dedans, c'est 30%. C'est ça. Les déchets ultimes, c'est ça qu'on devrait mettre à la poubelle, si c'était parfait. On comprend que tout le monde ne trie pas à 100%, c'est bien logique. L'important, c'est de faire le maximum d'efforts. Par contre, le coût de la collecte, lui, il n'arrête pas d'augmenter. Le coût d'enfouissement pour ces déchets-là, on parle de 5 millions de dollars de mis dans un site pour enterrer des poubelles dedans, n'arrête pas d'augmenter. Puis l'argent pour les déchets n'est pas subventionné. Donc ça vient tout des taxes de services municipales qui sont facturées par les municipalités. Si on garde le statu quo, ben, ce qu'on voit ailleurs, là, c'est des augmentations
exponentiel de coûts de collecte. Là, ça va entre 60 et 150 d'augmentation pour les municipalités qui ont été en appel d'offres. Ça, c'est des chiffres. Dans les images, comme parlait Denis, on a fait le tour là, des 19 municipalités. Ce n'est pas forcément Témiscouata sur le lac, puis ce n'est pas ça qui est important. On fait une action régionale. Vous voyez des bacs à recyclage qui sont avec un sac poubelle par-dessus, remplis avec des 5 gallons d'huile de patate frite dedans, qui vont, quand ça va arriver dans le camion, s'éclater partout, entre guillemets, couler dans le chemin. Vous voyez des bacs à recyclage remplis avec des poubelles. Ça là, juste revenir sur les sacs à vidange, ça, ils sont mis, sont sortis au chemin la journée des vidanges. Donc, ça veut dire que ces gens-là qui ont 4, 5, 6, 7, 8 bacs, c'est rempli de vidange, il n'y a aucun recyclage qui se fait. Là. Non. On comprend que c'est même des bacs à recyclage transformés en poubelle. Exact. Poubelle. Donc là, il y a vraiment une non-volonté de faire du recyclage. Ouais. Quand on parle de graisse à patates frites, évidemment, bon là, c'est de la graisse à patates frites, mais on trouve régulièrement de la vieille huile, la moteur, ouais. Encore dans les bacs. Des donc, évidemment, en 2023, on comprend qu'au niveau environnemental, de l'huile qui s'en va dans la nature, c'est jamais une bonne idée. Non. Des contenants, une quantité très importante de contenants à déchets pour une seule adresse, des bacs à recyclage, encore une fois, mal utilisés. Dans les conteneurs, qui est notre principal sujet ce soir, c'est des conteneurs qui débordent et qui sont complètement percés. Un conteneur à recyclage qui est enterré ici, si on le voit bien, là, fait que les gens ne font pas beaucoup de recyclage à cet endroit-là pendant la période hivernale. Ou des conteneurs qui sont simplement remplis là, avec des matériaux qui auraient dû être apportés à l'éco-centre. Écologiquement, d'enterrer des matières comme ça, c'est un non-sens. Économiquement, le coût de l'enfouissement est extrêmement plus élevé que nos coûts d'éco-centre ou nos coûts de recyclage. Quand des citoyens, des entreprises ou des utilisateurs font un mauvais tri dans les conteneurs ou dans les bacs roulants, c'est tous les autres citoyens qui payent la facture. L'objectif qu'on avait à la RDT, puis je pense qu'on l'a quand même atteint, c'était de mettre à disposition des services gratuits dans l'ensemble de la région pour toutes les matières où on a un débouché qui est autre que l'enfouissement. Ils sont tous accessibles. Témiscouata sur le lac a vraiment accès à tous les services. Éco-centre, point de dépôt, dépôt pour les plastiques agricoles, comme tu as dit, bac à recyclage chez les gens, conteneurs pour les matières organiques. Donc, ce qu'on veut éviter, c'est d'avoir des conteneurs qui servent à ça ou qui virent en dépotoir, entre guillemets, comme on peut voir à certains endroits. C'est aussi l'image quand même de la ville à certains endroits. On a des conteneurs extrêmement magasinés, qui ont plus de 20 ans pour certains. Ça, c'est le fond d'un conteneur qu'on a retiré. Les gens continuent à mettre des déchets dedans, mais quand le camion soulevait le conteneur, ben, tous les déchets tombaient à terre. Puis là, les citoyens n'étaient pas contents après le chauffeur. Malheureusement, il ne peut pas faire grand-chose à ça. Puis des conteneurs à déchets, encore une fois, remplis avec des meubles de mélamine. Ou là, ici, c'est des sacs qui sont remplis de feuilles ou de gazon. C'est une photo très récente. Là, hein? C'est une photo très récente, des deux dernières semaines. Là. Ça ne fait pas des années de ça. Ce n'est pas des vieilles photos. C'est des photos toutes récentes. Exactement. Fait que ça, c'est pour vous montrer un peu comment sont utilisés les contenants. Puis pour vous montrer ce qu'on reçoit aussi d'enfouissement. Je ne sais pas si je peux zoomer. C'est du même. Quand les camions se déchargent au site d'enfouissement à dégelé, ben c'est les voyages typiques de ce qu'on retrouve dans un voyage, généralement de conteneurs. Les bacs roulants, c'est plus difficile de rentrer un fauteuil, un divan ou des choses comme ça. Dans les conteneurs, on retrouve des déchets, mais beaucoup, beaucoup de carton, des plastiques agricoles. On a un service maintenant depuis le mois d'avril avec la ficelle. Des matériaux de construction, où il y a chiproc, tubulure d'érablière et choses comme ça. Ou vraiment du bois, des meubles. Fait que tout ça, c'est enfoui. Une tonne de déchets nous coûte, a priori, là, 7 fois plus cher quand elle est mise au site d'enfouissement que quand elle aurait pu être recyclée, collectivement. Puis 3 fois plus cher que si elle avait été apportée à l'éco-centre. Fait que quand Denis, tout à l'heure, disait que si on arrêtait de faire le recyclage, les éco-centres, la gestion de matières organiques, notre site d'enfouissement serait plein en 7 ans. Dans 7 ans, on n'arrête pas de produire des déchets. Il faut construire un nouveau site d'enfouissement à 5 millions de dollars qui va venir des taxes citoyennes et non pas du gouvernement, parce qu'il n'y a pas de subvention pour l'enfouissement. Donc l'objectif, c'est d'arriver à limiter l'usage des conteneurs aux endroits ou aux entreprises qui en ont besoin. Il y a énormément d'entreprises qui ont besoin d'avoir des conteneurs parce qu'ils ont des gros volumes de matière, mais à côté de ça, nous, on veut les inciter à trier adéquatement, faire du recyclage. Si c'est des matériaux de construction, aller les porter à l'éco-centre. Que dans les déchets se retrouvent seulement des déchets, pour qu'on peut facilement, comme on a vu ici dans un monde idéal, diminuer de 70% de production de déchets, ben, on va diminuer notre facture, pas de collecte, mais d'enfouissement de 70% en étalant notre durée de vie du site d'enfouissement.
puis on parle littéralement de millions de dollars. Des propositions, c'est à la place de mettre des bacs roulants, de conteneurs, par exemple, pour des regroupements de chalets où historiquement il y en avait un, mais c'est d'y aller avec des bacs à déchets, à recyclage, qui sont utilisés collectivement, qui sont mis en retrait un peu du chemin, qui pourraient être encore plus en retrait du chemin. Puis quand c'est la collecte, ben, comme chacun à la maison, on prend les bacs qui sont pleins, puis on les met en bordure de route. Avant ça, cet endroit, c'est pas Témiscouata sur le lac, mais il y avait des conteneurs qui servaient de dépotoir, littéralement. Depuis qu'il y a ça, ben, les gens, il n'y a plus aucun déchet qui traîne à côté, puis les matières qui sont mises dedans sont triées. On passe d'un coût forfaitaire supplémentaire avec des conteneurs à un coût inclus dans nos taxes puis dans notre contrat, parce que les bacs roulants, en fait, ça fait partie de la base du service, il n'y a pas de frais supplémentaires. Dès qu'on ajoute des conteneurs, on ajoute des frais. OK, ça c'était oui, je vais y aller. Okay. Fait que l'idée du travail qui va être fait avec la ville et avec les différents utilisateurs, c'est de cibler les endroits qui sont problématiques, mal utilisés ou avec des conteneurs qui sont obsolètes, puis de trouver des solutions, mais des solutions qui ne seront peut-être pas toujours selon la volonté des citoyens, mais plus en termes d'optimisation du service. L'objectif de la R&D là-dedans, là, c'est qu'on offre le service à tous les citoyens, aux entreprises, pour disposer de ces déchets, de ces recyclages. Par contre, il y a des modalités d'exécution qui sont à prendre en compte et qui sont en fonction du volume puis du type de matière. Donc pour ajouter à ce que tu viens de dire, Maxime, il y a eu des consultations citoyennes. Évidemment, les consultations font partie des éléments qui sont pris en considération dans la prise de décision qu'on a à prendre. Mais tout ce qu'on vient de discuter en termes d'environnement, en termes de réglementation, n'en font aussi partie. Donc, quand je vous parlais tout à l'heure qu'au cours des prochains jours, prochaines semaines, on va transmettre à chaque résident par voie postale une lettre les avisant des décisions qui seront prises, évidemment, on s'attend à ce qu'il y ait des réactions, comme c'est le cas quand on change, on amène des changements. Par contre, ce soir, ce qu'on voulait vous faire, c'est vous faire la démonstration que il y a encore du travail à faire. Il y a des solutions qui sont absolument très viables pour tout le monde, puis il faut continuer là, de faire des efforts. En terminant, dernièrement, avec la RIDT, on a mis en place dans le secteur de Notre-Dame-du-Lac, donc un site de dépôt. Dans lequel on peut aller porter là, au niveau en ciment, là, en encadrement de ciment. Là, je ne sais pas si on peut voir ici. Je pense que je n'ai pas de photo de l'enclos. Ben, ici en arrière, non? Oui, peut-être en zoom un peu. En fait, c'est des enclos. C'est des enclos. Je vais me tasser. Montre l'image dans la régie. Fais juste montrer l'image comme ça. Ouais, on l'a sur l'écran là, de façon plus précise. Ouais. Donc, sur le site de dépôt qu'on a installé, parce qu'on voulait en avoir dans chacune des municipalités, même si Notre-Dame fait partie de Témiscouata-sur-le-Lac, on a quand même mis un site de tri. Donc, à cet endroit-là, il y a trois éléments qui peuvent être déposés. Ouais. Donc, dans un enclos ciment, on parle des matières organique, mais de type forestière, c'est-à-dire des branches, des feuilles, des résidus de gazon. C'est pas mal ça, hein? Oui. Donc. En fait, c'est ça. Il y a un enclos pour les branches, les tailles d'arbres, sapin de Noël, ça. Et l'enclos d'à côté est pour les résidus verts. Donc, feuilles, pelouses, des résidus de déchômage, terreau, okay. Des choses donc, comme ça. Donc, on a deux endroits pour ça. Oui. Ensuite, on a un dépôt pour les matières dangereuses. Donc, on parle de vieilles peintures, huiles, etc., qu'on peut voir aussi sur l'image, sur cette image-là. Je sais, à TV, on le voit de façon générale, là, parce qu'il ne peut pas monter l'écran, mais vous avez un dépôt, là, il y a un petit meuble. Et il y a un endroit, comme on le mentionnait tout à l'heure, pour faire ce qu'on appelle les ensachages agricoles. OK? Oui, qui est un petit peu plus loin, mais qui est dans ce coin-là. Donc, les photos que vous voyez là, c'est pas des photos de Terrebonne, c'est pas des photos de Montréal, c'est des photos de Notre-Dame-du-Lac. Dans quelle place? Dans le rang des fondateurs? La rue des Innovateurs. Innovateurs? Vers le dépôt, ouais, en arrière de chez Construction Michaud, en haut. Et en fait, ce dépôt-là, c'est ça, ben, en fait, il a été fait pour accommoder les gens du secteur, pour disposer des matériaux saisonniers. Fait que branches, résidus verts, ces choses comme ça, et produits dangereux, où c'est des choses qu'on a quand même assez régulièrement. Puis au lieu d'aller à l'éco-centre, ils peuvent aller déposer ça à cet endroit-là. On en a 16 au Témiscouata. On a 4 éco-centres, puis on a 16 dépôts municipaux. Les dépôts municipaux, ce n'est pas des éco-centres. Il n'y a personne pour surveiller, on n'apporte pas de matériaux de construction.
Et c'est là que Denis... Bon. Alors, ce qu'on peut voir sur ces photos-là, donc il y a d'abord des ordures ménagères, de toute évidence, à certains endroits. Il y a des matériaux de construction qui ne devraient pas être là. Puis il y a du mélangeage. Là. Il y a une photo, entre autres, où au niveau des branches, on a acheté des vieux galons d'huile là-dessus. Donc, évidemment, plutôt que les mettre juste à côté, on les a jetés sur les vieilles branches. Ouais. C'est sûr que quand on est interpellé par la RIDT à ce niveau-là, comme municipalité, on aura des décisions avec nos partenaires de la RIDT à prendre, à savoir comment on maintient cet endroit-là convenablement, parce que là, on n'est pas dans un endroit très, très contrôlé, là, comme la RIDT clôturée, puis on sait qui y rentre puis qui y sort. Là, on est dans quelque chose de pour accommodant, que je pourrais dire. Oui. Donc, c'est sûr que les décisions qu'on aura à prendre, c'est est-ce qu'on met un système de caméra performant puis on émet des constats d'infraction aux gens qui sont dans l'erreur, est-ce qu'on dit bien, ce site-là, on l'annule, il n'est plus en fonction, on n'est pas capable de le gérer convenablement. Donc, c'est toutes des possibilités qu'on a. Mais quand on entend des gens dire, bien, moi, là, regarde, je m'en irai pas à telle place pour faire mon tri, je mets ça là, puis ils s'organiseront avec, bien, c'est penser uniquement à soi. C'est penser uniquement à son être. Puis quand on parle de l'environnement puis de la communauté, bien, après ça, c'est des décisions comme ça qui ont des impacts sur la collectivité, qui font que nos sites d'enfouissement se remplissent plus vite. Puis Maxime, sa présence, voulait nous faire la démonstration du coût exponentiel que ça a pour remettre une cellule en état de fonctionnement pour quand on sera saturé au bout de 23 ans. Donc, l'objectif qu'on a, c'est que présentement, la cible, c'est 23 ans, mais pourquoi pas se rendre à 30 ans? Pourquoi pas se rendre à 35 ans parce qu'on fait du compostage, parce qu'on fait nos tris au niveau de la RIDT, parce qu'on fait nos éléments de gestion des matières résiduelles comme il faut. Donc, c'est un peu la présentation qu'on voulait vous faire ce soir. Merci, Maxime. En période de questions, tout à l'heure, s'il y a des gens qui veulent poser des questions, ça me fera plaisir d'y répondre. Maxime, par contre, va nous avoir quittés à ce moment-là. Je ne le retiens pas plus longtemps. Merci de ta présence. Merci à vous. Comme je le mentionnais, au cours des prochaines semaines, vous allez être avisé par la poste. Si vous avez des questionnements, les gens de la ville, on sera toujours là pour y répondre. Mais c'est certain qu'on a eu des décisions à prendre en partenariat avec la RIDT. On vous en avisera au cours des prochaines semaines. Ça va? Merci, Maxime. Merci. Alors, on poursuit avec notre séance du conseil et nos résolutions. Donc, première résolution, comme à chaque mois, c'est sur les comptes à payer et les comptes déjà payés. Donc, pour le mois d'août, on parle de comptes déjà payés au montant de 611 354,50. Et pour les comptes à payer, on parle d'un montant de 498 677,69. Donc, comme on le fait à chaque mois, les comptes ont été présentés à l'ensemble des conseillers. On a répondu à l'ensemble des questions. Il n'y avait pas d'éléments particuliers. Pascal a présenté au conseil. Donc, ça a été proposé, appuyé, résolu unanimement l'adoption des conseils du mois d'août, des comptes du mois d'août. Excusez-moi. Prochaine résolution, mandat de service professionnel, ajout de service durant la construction du bloc sanitaire camping de la plage. Donc, un contrat qui est octroyé à la firme d'architectes Pro et Savard en conformité avec le règlement de gestion contractuelle numéro 225-18. Donc, comme vous le savez, pour tout chantier maintenant et depuis un bon bout de temps, on doit toujours s'assurer qu'il y a une vigie qui est faite. Donc, il y a ce qu'on appelle une surveillance de chantier. Donc, une des raisons pour laquelle M. Danny Morin a été embauché chez nous, c'était pour surveiller justement nos différents chantiers. Par contre, à un moment donné, un homme en a plein ses bottines, comme on dit. Donc, vient un temps où ce qu'on ne peut pas en rajouter. En plus, avec la situation de la rue de la plage. Donc, Danny Morin, notre chargé de projet, a eu amplement de dossiers à gérer cette année, cet été, entre autres, et a eu aussi des vacances, a essayé de prendre des vacances à certains moments. Donc, on était dans l'obligation d'octroyer un contrat pour de la vérification de chantier au niveau de la construction du bloc sanitaire dans le camping de la plage, ce qui nous occasionne une facture de 51 183,46 pour cette surveillance de chantier-là. Ça a été proposé, appuyé, résolu unanimement de donner le contrat à Proux et Savard Architectes pour les ajouts de services durant la construction et la surveillance de chantier relativement au projet de construction du bloc sanitaire du camping de la plage pour un montant approximatif et maximal de 51 183,46, taxe en sus conformément à la date à l'offre datée du 5 mai. Donc, quand on dit que Danny, qui fait nos surveillances de chantier, qui a fait une bonne partie de la surveillance des chantiers pour nos dernières constructions, que ce soit le raccord en eau, l'aréna, le CCR et le motel industriel, vous comprendrez que
Quand on fait un projet de bloc sanitaire puis il nous en coûte 51 000 $, vous comprendrez qu'on rentre dans notre argent assez rapidement. Des choses à ajouter là-dessus, Chantal? C'est très complet. C'est assez clair? Oui. Embauche du personnel. Donc, ce soir, on est heureux. En tout cas, moi, je le suis. Je pense que l'ensemble du conseil, la direction, les membres de la direction sont très heureux d'entériner la nomination et l'embauche de notre nouveau directeur du développement économique et à l'aménagement du territoire. Donc, qui est un poste nouvellement réfléchi par la direction et moi-même pour nous épauler dans, dans notre développement, oui, économique, mais dans notre développement social communautaire. Et tout ça dans un objectif aussi de concertation avec le monde de l'aménagement ou, ce qu'on veut, ou si on veut, l'urbaniste. Donc aujourd'hui, il a été proposé, appuyé et résolu unanimement que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-Lac procède à l'embauche de l'employé régulier suivant à titre de directeur du développement économique et de l'aménagement du territoire, M. Xavier Kaufman, donc en date de début du 29 août 2023. D'abord, avant de lui céder la parole, parce que j'ai demandé de venir faire une brève, venir se présenter, parce que j'aurais pu le faire puis vous parler de lui, mais je pense qu'il est mieux placé pour venir lui-même faire sa présentation. J'aimerais juste vous mentionner que c'est quand même un processus qui a été, je vous dirais, très ardu. Un peu en montagne russe. Donc, on a fait d'abord des affichages de façon autonome à la ville. On a rencontré des gens. On s'est épaulé d'un partenaire pour faire des entrevues. Finalement, des entrevues qui n'ont pas été concluantes. On a fait des deuxièmes, des troisièmes affichages, si je ne me trompe pas. Finalement, on ne réussissait pas à trouver de candidature. Donc, on a fait un appel à une firme de ressources humaines. Donc, on est allé à une firme de chercheurs de tête. Mm-hmm. C'est ce qu'on dit? Chasseur de tête. Chasseur de tête. Donc, on a 40 candidatures qui ont été reçues suite à l'affichage. De celles-ci, 20 ont été soumises au processus de chasseur de tête comme tel. De ce nombre, 15 personnes ont été dans le processus. 12 ont eu une première entrevue de préqualification. Ensuite, il y en a 10 qui n'ont pas passé au prochain tour. Donc, on a retenu deux entrevues formelles, donc avec la direction générale, la firme et moi-même, pour finalement embaucher M. Xavier Kaufman lors de ce processus de sélection qui aura duré, je vous dirais, tout près d'une année quand même. En bout de ligne. Donc, on est extrêmement heureux, évidemment, de l'avoir parmi nous. On a différents défis, puis je pense que ce n'est pas les dossiers qui vont manquer. Donc, si vous me le permettez, je l'inviterai, M. Kaufman, à venir au micro des questions et de nous faire sa présentation pour le bénéfice des gens qui regardent la séance. Bonsoir tout le monde. Merci de m'accueillir ici dans cette belle ville. Donc, je me présente, Xavier-Émile Kaufman. Je vais prendre ces nouveaux défis à cœur, bien sûr. Je suis spécialisé dans le développement socio-économique, mais ce qui est très particulier ici dans la ville de Témiscouata, sur le lac, c'est qu'on ajoute l'aménagement du territoire. Ça, c'est quelque chose de très, très spécial. Et pour moi, c'est quelque chose de très important parce que ça permet aussi de faire un développement durable dans ce développement économique. On vient d'avoir une présentation, notamment sur la gestion des déchets. Ça va aussi dans le développement durable et il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'autres domaines où on peut aller dans ce sens. Être innovateur, développer de nouvelles avenues et comme le logo de la ville représente la vitalité et le dynamisme, c'est évidemment ce que j'avais essayé de contribuer modestement à ce développement-là et évidemment je suis ouvert à toutes les questions qu'on pourrait poser. Mon bureau est juste là ici à la municipalité donc je suis ouvert à toutes questions et on attend de gaieté de cœur tous les promoteurs qui auront des projets à voir et comme ça on pourra déjà les orienter plus facilement et traiter plus efficacement leurs demandes. Voilà. Xavier, juste peut-être mentionner l'expérience professionnelle en termes de milieu municipal, formation. Oui, alors de ma formation, je suis docteur en sciences de gestion et développement stratégique des territoires. De côté municipal, j'ai plus de 10 ans dans le domaine municipal en tant que directeur général, greffier, trésorier. En Estrie d'abord, parce que ça fait 20 ans maintenant que je suis au Canada. Donc j'ai commencé mon périple en Estrie, après je suis allé en Outaouais, puis en Côte-Nord et maintenant dans le bas du fleuve. Voilà.
Merci beaucoup, Xavier. Encore une fois, bienvenue. Je réitère toute notre collaboration à ton intégration, que ce soit au niveau du conseil, de la mairie, des gens de la direction. Donc, on a fait les présentations aujourd'hui à l'ensemble de l'équipe. Donc, évidemment, on va tout faire pour que ça se passe le mieux possible. Puis déjà, les prochains jours seront remplis de défis. Demain, on sera ensemble au 5 à 7 de la Chambre de commerce pour aller faire ta présentation. Donc, bienvenue, très heureux de t'avoir parmi nous, nouveau résident éventuellement de Témiscouata-sur-la-Lac. Certainement, je cherche activement une maison. Donc, s'il y a des citoyens qui auraient des bonnes idées, ça me fera plaisir de les considérer. Parfait. Voilà. Merci, Xavier. Donc, on poursuit avec embauche de pompiers volontaires. Donc, aujourd'hui, il a été proposé, appuyé, résolu unanimement l'embauche de M. Félix Bossé. Donc, une jeune relève à titre de pompier chez nous, pompier volontaire, en date du 21 août. Félix est le fils d'un de nos pompiers, donc on est très heureux de voir qu'il y a une transmission de père en fils de cette tâche-là, de cette mission-là de protéger nos citoyens, qui est très louable. En fin de semaine, j'ai d'ailleurs assisté à la journée au rassemblement des pompiers du Témiscouata, du Bas-Saint-Laurent, qui avait lieu à Rivière-Bleue. Donc, on a souligné les 25 ans, je ne voudrais pas me tromper, de Sylvain Michaud et les 30 ans de Steve Pelletier. Donc, c'est bien ça? Tu voulais tout Pelletier? En tout cas, on a... Steve Pelletier. Bon, Pelletier, je ne dois pas me tromper, mais je manque mon punch en les félicitant, là, mais donc, on a souligné leur grande contribution. Donc, un travail qui n'est jamais facile. Pompier volontaire, c'est un travail, c'est pas un travail, c'est une vocation, c'est une mission, parce que ce qu'on donne comme salaire, c'est pas nécessairement beaucoup. C'est des gens qui sont dévoués à la formation. Je le dis souvent, je les remercie à chaque occasion où j'ai de les rencontrer. J'en profite encore pour le faire. Donc, on a un tout nouveau, Félix, qui est avec nous. Donc, bienvenue, Félix. On poursuit avec l'attribution d'un nouveau nom de rue. Donc, on parle de la rue Georges-Ephrem. Donc, évidemment, on est dans le secteur de la rue ayant son embranchement à la rue du Domaine, donc qui sera situé environ à 500 mètres au sud-ouest de l'intersection de la rue du Domaine et du boulevard industriel. Donc, on avait eu une présentation là, des propriétaires de ce développement-là. Il a été retenu de faire la proposition à la Commission de toponymie du Québec le nom de la rue Georges-Ephrem. Évidemment, ce soir, la ville de Témiscouata a proposé, appuyé, résolu unanimement que le conseil de ville de Témiscouata-sur-le-Lac attribue le nom de Georges-Ephrem à cette nouvelle rue longeant la rue du Domaine, située à environ 900 mètres de l'intersection de la rue du Domaine et du boulevard industriel. Bien évidemment, on me précise ici, ma direction générale me précise de spécifier le tout sous réserve de l'acceptation de la Commission de toponymie du Québec. C'est bien fait. Merci. On poursuit avec deux demandes de dérogation pour ce soir. Donc, première demande de dérogation, propriété sise au 102 rue de Lens, le lot 3,966,795 en faveur de Monsieur Étienne Paquette. Donc, Monsieur Paquette va faire la construction d'une nouvelle résidence. Et au niveau de la construction, il y aura un dépassement de la hauteur permise, soit une dérogation de 0,70 m. Donc, la hauteur maximale permise est à 6,5 m selon l'article 10.1. Et dans le cas de la construction de M. Paquette, on parle d'une hauteur de 7,20 m. Donc, je le répète, une dérogation mineure de 0,70 m, ce qui fait en sorte que, sous recommandation du comité d'urbanisme, consultatif d'urbanisme, les membres du conseil ont proposé, appuyé, résolu unanimement que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de dérogation mineure pour M. Étienne Paquette. Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 546 Chemin du Lac, donc le lot 4,764,349 et le lot 4,764,350, propriété de Mme Jenny O'Leary. Donc, dans le cas de cette résolution-là, je vais vous en faire une lecture un peu plus exhaustive. Donc, attendu la recevabilité de la demande d'une dérogation mineure de Mme Jenny O'Leary relativement à la propriété située au 546 rue Chemin du Lac à Témiscouata-sur-le-Lac.
Attendu que cette demande a été déposée le 5 juin 2023 par Mme Jenny O'Leary et porte le numéro de lot 4 764 349 et 4 764 350 au Canada du Québec. Considérant que cette demande vise à rendre réputée conforme la construction d'une résidence de villégiature située à 7 mètres de l'emprise de la rue de la piste cyclable, plutôt le Petit Émis, alors qu'il est stipulé à l'article 36.16.1.1b du règlement du zonage 06-90, que la marge de recul minimale bornant l'emprise de la piste cyclable est de 10 mètres, soit une dérogation mineure de 3 mètres. Attendu que même si le terrain a une superficie de 1396,2 mètres carrés et qu'il ne respecte pas la superficie minimale requise de 2000 mètres carrés en vertu de l'article 6.1 du règlement de lotissement 07-90, celui-ci bénéficie d'un droit acquis pour la construction d'un bâtiment principal en notant qu'il se conforme à l'article 1.6.8 du règlement de zonage 0.690, c'est-à-dire que le dit terrain a été enregistré par acte notarié avant le 13 avril 1983, ce qui dans le cas de ce terrain, faisait l'objet de la présente demande. Attendu que le terrain est raccordé à l'aqueduc municipal et que l'obtention d'un permis de construction résidentielle ne sera émis, sera sans la mise en place d'un système d'épuration, donc champ d'épuration phosphatique conforme au règlement. Attendu que la demanderesse désire implanter sa maison de villégiature à 5 mètres de la marge de recul latérale opposée à celle de la piste cyclable afin de pouvoir circuler en véhicule automobile et accéder au terrain arrière ainsi qu'à la remise existante. Attendu que les dérogations mineures similaires ont déjà été accordées dans le passé, que les frais de cette demande ont été acquittés et la recommandation favorable du comité d'urbanisme y a été proposée, appuyée et résolue unanimement que le conseil de ville de Témiscouata-sur-le-Lac entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de dérogation de Mme Jenny O'Leary. Évidemment, quand on parle de terrain, bordure du lac, bordure de la piste cyclable, parfois ça peut laisser place à interprétation, donc c'est pour la raison pour laquelle je vous en ai fait la lecture complète. Donc, dans le cas présent, effectivement, il y a des particularités qui peuvent sembler pour certains, mais je le répète, c'est très important. Donc, la résidence de Mme O'Leary bénéficie d'un droit acquis puisque le dit terrain est enregistré par acte notarié avant le 13 avril 1983. Donc, cette spécification-là était très importante. On poursuit avec une résolution d'appui, donc demande d'aide financière de la municipalité régionale de Comté, donc la MRC de Témiscouata, au Fonds de prévention des espèces aquatiques envahissantes de pêche et océan Canada et confirmation de la ville de Témiscouata sur le lac pour sa participation au projet. Donc, comme je le mentionnais tantôt quand j'ai fait le topo sur le dossier de la moule zébrée, donc présentement, la MRC va déposer auprès de Pêche et Océan Canada une demande de subvention qui approche là, le 750 000 $ Donc, pour éventuellement soit alléger le fardeau des coûts relatifs aux municipalités par rapport à la mise en place du réseau de bornes et de guérites automatiques ou redisponibiliser les aides là, au niveau du développement. Donc, ce sera des décisions qui seront à prendre. Donc, considérant que la MRC de Témiscouata dépose une aide financière au Fonds de prévention des espèces aquatiques envahissantes de Pêche et Océan Canada afin d'obtenir un financement pour la mise en place d'un réseau de bornes multiservices et de guérites automatisées afin de rendre autonomes les stations de lavage d'embarcations et de débarcadères pour réduire les possibles contaminations d'espèces aquatiques envahissantes. Considérant que la ville de Témiscouata-sur-le-Lac participe au projet en installant sur son territoire une borne multiservice et une guérite automatisée, considérant que la Ville contribuera financièrement à l'acquisition des équipements, des coûts d'achat de et l'implantation, considérant que la moule zébrée et la myriophile à épi sont actuellement présents dans le lac Témiscouata, qu'il est primordial de préserver l'intégrité des autres plans d'eau et cours d'eau du territoire pour la préservation de la biodiversité, mais aussi pour la préservation des usages liés à l'eau et à la valeur foncière des propriétés, et qu'il est essentiel de mettre en place tous les efforts nécessaires afin de limiter l'introduction de nouvelles espèces aquatiques envahissantes dans le lac Témiscouata, comme la moule quagga, la vivipare chinoise et la vivipare georgienne. Ce soir, il a été proposé, appuyé, résolu unanimement, que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac appuie la MRC de Témiscouata dans le dépôt de sa demande d'aide financière au fonds de prévention des espèces aquatiques envahissantes de Pêche et Océan Canada, et que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac adopte la présente résolution visant également à approuver la participation financière de la ville dans l'acquisition et l'implantation des équipements permettant une gestion automatisée des stations de lavage et des débarcadères par l'implantation de bornes multiservices et de guérites automatisées. «
résolution d'appui aux mémoires de la table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent dans le cadre de la consultation publique sur les nouvelles orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire, donc sous l'abréviation OGAT, donc Orientation gouvernementale en aménagement du territoire. Donc, considérant que le gouvernement du Québec a adopté une nouvelle politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire le 22 juin 2022, considérant dans le plan de mise en œuvre de cette nouvelle politique, le gouvernement du Québec a comme premier objectif de moderniser le cadre en aménagement du territoire en occupant de nouvelles orientations gouvernementales. Considérant que le plan de mise en œuvre de la nouvelle politique prévoit avec aussi l'objectif d'améliorer la protection et la mise en valeur du territoire agricole en favorisant l'arrimage entre la loi de la protection du territoire et des activités agricoles et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le gouvernement tient présentement des consultations publiques sur deux sujets de la nouvelle politique, car elles sont à la base de la planification de l'aménagement et du développement du territoire des régions. Considérant que la table régionale des élus du Bas-Saint-Laurent a produit et déposé au ministère des Affaires municipales, Mme André Laforêt, un mémoire présentant une réflexion régionale sur ces deux questions fondamentales. Considérant que le mémoire de la table régionale des élus du Bas-Saint-Laurent reflète totalement le positionnement souhaité par le Conseil de la ville de Témiscouata, ainsi que nos préoccupations locales face au développement de notre territoire. Considérant que les nouvelles orientations gouvernementales doivent absolument prendre en compte notre différence rurale quant à l'occupation et la mise en valeur de notre territoire par une véritable modulation et des orientations d'aménagement en fonction de notre réalité culturelle, rurale et régionale, ce soir, il aurait été proposé, appuyé et résolu unanimement que la ville de Témiscouata-sur-le-Lac appuie l'ensemble des recommandations contenues dans le mémoire de la table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent concernant les nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire, et qu'une copie de la présente résolution soit transmise au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, ainsi qu'à la MRC de Témiscouata. Faire un court retour sur les différents enjeux de cette OGAT, là, des nouvelles orientations gouvernementales, principalement au niveau des municipalités rurales comme les nôtres. Ce qu'on regarde au niveau du gouvernement, c'est d'avoir une centralisation, l'occupation du territoire au niveau du périmètre urbain, l'occupation du périmètre urbain à son maximum. Pour nos communautés, en région, en milieu rural, les gens qui viennent chez nous, c'est pas pour s'installer nécessairement dans nos périmètres urbains, parce qu'ils vont souvent quitter la ville, ils veulent avoir des grands espaces. Et de notre point de vue, de la table régionale des élus, ces nouvelles orientations-là vont limiter jusqu'à un certain point le potentiel de développement de nos communautés rurales, ce qui fait en sorte qu'on a travaillé avec notre urbanisme ici à la MRC, Mathieu Lehoux, d'autres partenaires de Rivière-du-Loup aussi, pour déposer un mémoire pour faire valoir là, notre point de vue au niveau des municipalités rurales et des questionnements qu'on avait à l'égard là, des nouvelles orientations ministérielles au niveau là, de l'occupation du territoire. Donc, ce qu'on fait ce soir, c'est venir donner évidemment notre accord à la position qui a été présentée par la table régionale des élus du Bas-Saint-Laurent pour essayer de mettre un poids supplémentaire politique pour, encore une fois, que nos gouvernements prennent en considération nos réalités territoriales, régionales, plutôt qu'à d'arriver avec de la réglementation et des orientations uniformes pour l'ensemble du Québec, ce qui nous occasionne parfois des injustices ou du potentiel de développement plus limité dans nos milieux. Donc, c'est ce qu'on fait comme résolution de ce soir. Donc, avec cette dernière résolution d'appui à la table régionale des élus du Bas-Saint-Laurent, ça met un terme à l'ensemble des points que nous avions à présenter aujourd'hui à notre séance. Donc, on a les gens dans la salle. Si vous avez des questions, vous pouvez venir au micro, vous présenter, nous formuler votre question. Et on a aussi la période de questions par les réseaux sociaux à l'adresse... questionseance@commercial.témiscouata-sur-le-lac.ca. Et voilà. Donc, on a déjà une question qui nous a été adressée par M. François Haché, oui, qu'on a déjà analysée en plénier parce que nous autres, on était en travail depuis 5 heures. Donc, M. Haché faisait la question était de savoir, dans le secteur de la rue Caldwell, tout près de l'Auberge de la Gare, il y a une traverse au niveau de la piste cyclable. Donc, il nous pose la question, est-ce qu'il serait une possibilité d'avoir un stop avant d'arriver dans les deux directions, avant d'arriver à cette intersection-là?
Donc, mettre des stops à des intersections d'une traverse de piste cyclable, on n'est pas certain du tout, du tout. Par contre, l'objectif de ralentir la circulation peut être très louable dans ce coin-là. Donc, on va mandater notre spécialiste de la circulation à analyser le secteur coin rue de la plage Caldwell. Il pourrait avoir un stop d'ajouter dans ce coin-là. Donc, on va faire l'étude du coin puis arriver avec des propositions. Oui, on va analyser la demande. On va même analyser un peu plus large pour voir d'autres possibilités. Et puis, on va revenir directement à M. Haché avec un suivi. Excellent. On avait-tu d'autres séances, conseils, questions sur les réseaux? Rien d'autre. Dans la salle, M. Ouellet, M. Mélanger. Bonsoir tout le monde. Gaston Ouellet, quartier Notre-Dame. Je vais revenir sur l'activité qu'il y a eu dans le quartier Notre-Dame-du-Lac, le Beach Party. Je trouve que de la part de la ville, il y a eu un manque de publicité au niveau de l'activité. Quoi qu'il était annoncé sur le dépliant annuel des activités de l'été, qui était le 26 août, il n'y a pas eu de publicité, sauf la dernière semaine légèrement. Puis les publicités qui ont été faites, qui ont été une partie erronée. Fait que j'avais demandé à Laurent de le corriger une couple de fois. Ça s'est fait, mais l'activité a été publicitée dans la dernière semaine. Si tu passes dans le quartier de Notre-Dame, c'est ça que je veux savoir. Ben moi, j'embarque pas. Là, M. Ouellet, vous voulez m'emmener sur des anciens débats que pour moi... Pourquoi que ça n'a pas été publicité avant? D'abord, vous avez une question, je vais y répondre. Vous m'emmenez sur un terrain que je ne veux pas aller. Donc, les anciens chicanes de quartier qui laissent supposer que le conseil de ville ou l'administration de la ville prend des décisions en fonction des quartiers. OK. Mais pourquoi? Alors, je vais terminer ma réponse. La réponse, je veux l'avoir. Je n'embarquerai pas là-dedans parce qu'en aucun temps, les membres de mon administration, les membres de l'administration prennent des décisions en fonction des quartiers. Maintenant, la question que vous amenez, est-ce que vous trouvez que la publicité a été moins bien faite que d'autres événements? Ça restera à démontrer, c'est une perception que vous avez. Moi, je sais qu'il y a eu des publications sur Facebook. CFVD. On a fait des publications sur CFVD, donc j'imagine qu'on les a payées. Le CFVD ne doit pas faire de la gratuité. Okay. Est-ce qu'on a fait des publicités payées pour beaucoup d'autres événements cet été? Mais, sais-tu, Denis, je rajouterais quelque chose. Je trouve bizarre votre question, parce qu'au départ, là, l'activité a été initiée par la ville. Oui. Fait que c'est sûr qu'on ne se tirera pas dans le pied. On en voulait du monde aussi. J'entends ce que vous dites. Moi, je vais quand même valider pour dire, finalement, qu'est-ce qu'on a fait comme publicité au niveau? Puis on va se faire une opinion. Mais je prends ce que vous dites, là, je l'entends. Je vais même le valider pour dire, qu'est-ce qu'on a mis en place? Mais soyez sûr d'une chose, c'est que si on l'a mis en place, l'activité, puis qu'elle est initiée par la ville, on voulait avoir des gens, c'est clair, là. Oui, mais d'un autre côté, pourquoi? Mais d'un autre côté, vous avez vu la température? Ça non, mais toutes ces autres activités, c'était la même chose en fait de température. Mais pourquoi ça a été publicité seulement une semaine avant l'événement? Je vais valider, j'ai pas toute l'information, je vais la valider. Mais soyez sûr d'une chose, là, c'est qu'on voulait autant que vous que ça fonctionne. Ils m'ont demandé d'embarquer dans l'événement, j'ai embarqué, mais ils ont... Chantal, la programmation annuelle a été publiée, faisait partie de la publication annuelle qui a été publiée au début de l'été. Oui, par TV, oui. Calendrier. Oui. Il y a eu tous les autres mêmes moyens de communication, sur Facebook, etc., etc. Moi, j'ai vu passer des publications sur Facebook, là, ces nouveaux réseaux sociaux. Peut-être que vous les avez pas vus. Non, je les ai vus, mais dans la dernière semaine. Bien, monsieur Ouellet, ça me surprendrait qu'on aille publier les mercredis du parc un mois à l'avance aussi, là. Fait que, tu sais, c'est bien beau dire. Non, ça, ils ont été publicités tout l'été, ça. OK. Puis le Témis en bière, un mois et demi avant le temps. Votre question, là, c'était, est-ce que ça a été fait parce que c'est Notre-Dame? À cette question, je vais répondre non, puis absolument non. OK. Puis ça, là, j'espère juste qu'on... peut-tu rectifier le tir des mois à venir? On commence à se débarrasser de cette fameuse vision-là. Là. J'espère qu'on ne retombera pas là-dedans. Puis j'espère que vous nous ramènerez pas là-dedans. Vous êtes un élément positif dans le développement puis dans l'organisation d'activités. Mais on essaye, en tout cas. Ça serait malheureux que vous retombiez dans des vieilles chicanes. Là, on essaye d'être équitable, mais je pense qu'en tout cas, il y a de l'ouvrage à faire. Peux-tu rajouter quelque chose? Bien sûr. Il y a quand même un élément à mettre en perspective, c'est qu'on prend l'exemple des mercredis du parc. Les mercredis du parc, c'est quand même géré par un sous-comité qui a aussi ses propres réseaux sociaux.
Donc, eux autres aussi ont fait leur propre communication, indépendamment de ce qui s'est fait au niveau de la municipalité. Fait que ça vient dédoubler les et tripler les occasions de communication. Peut-être qu'on a moins eu dans le cas du Beach Party, étant donné que c'est un événement qui est sous l'administration de la ville, donc qui se place dans le calendrier de la séquence des autres communications. Mais effectivement, il y a d'autres activités où on a peut-être l'impression d'avoir vu plus, mais qu'il y a d'autres pages qui viennent partager l'information. Puis, tu sais, j'aurais le goût de dire, là, juste comme ça, à titre informatif, parce que des fois, on lance des informations un peu à la voix comme ça, là. On a investi combien dans cette partie-là, la ville? Ah, quand même beaucoup en main-d'œuvre et en... Puis en investissement, là, parce qu'on parle aussi là, de l'événement, oui, le Beach Party, les hot dogs, mais il y avait un feu d'artifice en soirée. 5 000 pour feu d'artifice. Combien? 5 000 pour le feu d'artifice. Est-ce que la ville, puis je m'adresse aux autres conseillers, est-ce que la ville, cette année, dans un autre événement, a investi davantage que 5 000 $? Non. La réponse est non. Bon. Là, c'est pas Beach Party, les feux d'artifice, là. Ben, là... Non. Excusez, c'est pas ça. C'était l'événement de la fin de semaine. Moi, je rentrerais pas là, dans la fabrique, a fait les hot dogs, puis on aurait dû avoir plus de publicité. Cette fin de semaine-là, il y avait un beach party qui était situé à la plage, il y avait un feu d'artifice à la marina, puis on a fait une vue d'ensemble de tout ça. On s'est pas organisé pour que le beach party finisse plus tard que le feu d'artifice, pour que ça... Donc, c'était des activités complémentaires. Donc, quand la ville investit 5 000 $ dans cette activité-là, en main-d'œuvre, parce que tu avais une méchante équipe de sauveteurs là pour y avoir été. Oui, là. 10 jockeys payés. Je ne pense pas que la ville a investi dans d'autres événements autant que celui-là cet été. Si vous le dites, c'est bon. Autre question concernant la station de lavage. Vous aviez dit que c'était opérationnel à la fin d'août ou début août. Si on n'est pas là? Non, on ne sera pas. Ça va être l'année prochaine. Bon. Oui. Puis quand on parlait de diluer les coûts, là, est-ce qu'on va toujours être équipé en double dans les deux quartiers, comme deux stations de lavage, deux ci, deux ça? Si on dit, mettons, les guérites automatisées, là, les frais de ça, je ne sais pas combien ça va être rendu, la station de lavage, on va être rendu à combien? Je n'avais pas d'idée. Pourquoi vous voulez l'enveloppe totale, là? Bien, mettons, avec les guérites puis tout ça, là, on va être rendu à quoi, 100 000, je sais pas? Pour la participation de la ville, ça va être aux alentours d'un budget qui est passé de 100 000, effectivement. Ça a été présenté dans les séances, les dernières séances qu'on a eues. Donc, il y avait un budget, nous autres, qu'on avait dans un fonds vert, je pense, là, j'y vais de mémoire, un 70 000 d'accumuler dans ce fonds-là, qui va être pris à même ce fonds-là. On a aussi l'autorisation de la MRC d'aller dans notre fonds FRR, là, le fonds régional, qu'on a un 31 500 lots disponibles, ce qui nous amène à tout près de 100 000. Il y a des travaux aussi qui, possiblement, là, vont réduire notre facture parce que les gens de la ville vont avoir assumé là, une certaine responsabilité en termes de mise en place de la station de lavage comme telle. Mais dans l'ensemble, on est pas mal à un montage qui n'aurait pas de coût présentement au niveau de la taxation, de l'augmentation des taxes, parce qu'on serait à même nos finances. Maintenant, quand on a décidé d'avoir une orientation avec une station de lavage au centre PGR, puis à la station de lavage dans le secteur du terrain de l'ancienne pesée, d'abord, le centre PGR, ça va être un centre aussi multiservice, donc il va y avoir une vidange de VR qui va être installée là, donc pour offrir ce service-là dans ce secteur-là. Puis, écoutez, l'évaluation qu'on a fait, on a quand même un potentiel d'achalandage important. Là. Donc, la décision qui était prise de le faire dans les deux secteurs, ce n'était pas dans l'objectif de dédoubler, mais c'était bien d'offrir les services la façon optimale possible. Fait que c'est l'orientation qu'on a prise. OK, parce que ça aurait quand même diminué les coûts énormément. Si on dit qu'on fait une station, on est une ville, les gens sont capables de se déplacer, puis ils font en banlieue faire de 7-8 km de rien là, pas se laver le bateau. Seulement, les laveurs de bateaux, on s'entend dessus qu'au début de la saison, c'est les résidents, mais après ça, c'est seulement les touristes qui viennent laver le bateau. Fait que c'est une grosse dépense, je trouve, là, pour deux stations de lavage. Vous éventuellement revenir sur votre décision? Les commandes se font vendredi d'ici le 8 septembre. Les commandes sont faites, l'orientation est arrêtée là-dessus. Parce qu'on dit souvent on dépense en double, mais là, ça a été une occasion là, de diminuer les coûts.
Je rajouterai pas là-dessus. La commande est faite. La commande va se faire vendredi. Les orientations ont été discutées au conseil. Chacun des membres qui sont à ma gauche et à ma droite ont participé aux discussions. Les différents terrains ont été proposés. On a rencontré M. Joël Laure à un moment donné pour voir l'emplacement dans le secteur du quartier Notre-Dame. On a pris en considération. On a fait des représentations pour expliquer nos décisions. Chacun a pris part aux décisions, ont vu les enjeux, puis la décision a été de prendre une station de lavage au PGR, puis une station de lavage au ministère du Transport. Puis les guérites qui vont se trouver chez Pomerleau, ça, c'est un endroit privé. Oui. Est-ce que c'est eux qui vont payer une partie? On est en discussion avec eux autres pour qu'ils assument une partie de cette responsabilité-là, oui. Sinon, vous la mettez quand même? Elle est là, ça en prend une là. OK. C'est bien. On investit ces terrains privés. On investit à la protection de notre lac. Oui, je comprends. Je vous dirais que j'ai eu des discussions déjà avec les gens de Pomerleau. Ils sont très ouverts à regarder le dossier avec nous autres. Puis on va le faire dans les prochaines semaines. Puis quand on aura des annonces à vous faire, on vous transmettra ça. Parfait. Puis félicitations pour votre accès que vous avez fait chez Chemin de la Seigneurie de barrer l'entrée de mise à l'eau. Moi, je tiens toujours à l'idée de éventuellement d'envoyer une lettre aux résidents qui ont des descentes privées, de fermer le descente privée. On en avait parlé l'autre fois. J'y tiens toujours, fait que je vais pousser dans ce sens-là. Tous ceux qui ont des descentes privées au lac, ils vont dire, ben regarde, moi, je vais aller me mettre à l'eau chez mon chum, je vais pouvoir laver mon bateau et quoi que ce soit. Ouais, on est à réfléchir sur la vérification qu'on va faire. À la distribution des comptes de taxes au mois de janvier, on va envoyer des avis. Les gens vont devoir enregistrer leur bateau, payer les frais qui vont être en lien avec la gestion, justement, là, du système de guérite puis la mise en place des stations de lavage. Donc, on est en train, justement, d'en discuter ce soir en séance du conseil, pour savoir comment on va essayer de faire des vérifications là-dessus. Donc, la possibilité d'avoir du personnel qui vérifie les embarcations, donc un peu comme on le voit sur des quatre roues. Donc, il y a des stickers qui payent les droits. Donc, on va essayer de maximiser les vérifications. Mais je vous dirais que les premiers contacts puis les différents échanges qu'on a eus avec l'ensemble des résidents, je pense que, comme on le mentionnait tantôt au niveau de la gestion des masters résiduels, la grande majorité des gens font ce qu'ils ont à faire. Je suis assez convaincu que les gens qui ont des propriétés autour du lac sont conscients des dangers des espèces envahissantes et des impacts qu'ils peuvent avoir d'abord sur leur sport nautique, sur les bénéficiaires du lac, mais aussi sur leur valeur foncière. Donc, masochiste de pas mettre en place les mécanismes de protection du lac. Puis j'ai assez confiance en notre population qui vont faire ce qu'ils ont à faire. Mais évidemment, il y aura peut-être des réfractaires qu'on essaiera d'encadrer du mieux qu'on peut. Puis on verra la descente des bateaux individuels, comment on la gère. Parfait. Une couple d'autres questions. Je suis sûr qu'il n'y a pas grand monde, j'ai le temps. Là, c'est sûr, j'ai une question de plus sur... Vas-y donc par écrit pour qu'on change un peu de... on change un peu d'orientation. Oui, c'est M. Michel Thibodeau tout à l'heure. M. Michel Thibodeau doit avoir une question dans le coin de la rue Esdras. Oui, absolument. Est-ce qu'un contrat a été octroyé à un ingénieur pour la capacité hydrique du bassin de rétention? Ça se fait dans les prochains jours? C'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure en période d'information. Donc, j'ai mentionné qu'on donnerait un contrat à la firme Tetra Tech. Il y a déjà des analyses qui ont été faites. Là. Je ne sais pas si c'est en amont ou en aval de la canalisation, là. Mais l'ensemble du réseau va être... la capacité de d'écoulement des eaux va être vérifiée par Tetra Tech. Le mandat va être donné d'ici les prochains jours. C'est ça. Puis pour M. Thibodeau, on a trouvé plein de documentation à la ville. Fait qu'on est en train de faire une analyse de tout ça. Fait que ça, c'est entre bonnes mains. Dans l'autre question, on dit, est-ce qu'une analyse de l'état du tuyau sous la rue Esdras est prévue? Ça fait partie de l'analyse. C'est ce que je mentionnais tout à l'heure aussi en période d'information. Donc, on a 1 600 000 à investir pour changer la canalisation de la rue Esdras, qui, somme toute, selon les premières analyses qu'on a dans les écrits, serait à grossir et à changer. Absolument. Ça fait le tour des questions. Donc, on avait déjà pas mal répondu à ça en période d'information. Donc, pas d'autres questions sur les réseaux? Monsieur Bélanger, avez-vous des questions? Ben, venez me voir un peu. Là, habituellement, c'est deux questions. On va changer un peu. Là, mais venez nous voir avec vos questions. On rappellera Monsieur Ouellet. Bonsoir, Denis Bélanger. Les grandeurs de terrain, c'est quoi une grandeur de terrain? Mettons que tu es à l'eau de la ville,
Mais t'es obligé de faire ton choix d'épuration en mètres carrés? Tu vas me répondre à ça. Je pense que c'est 2000 mètres carrés. Ça, c'est si on a l'eau, mais on fait le champ d'épuration. Bon, en tout cas, c'est ce qui était dans la tour de la résolution, c'était 2000 mètres carrés. Puis quand il n'y a ni un ni l'autre des deux services, c'est 4000 mètres carrés. OK. Bon. Pour ça, je vois ici, Témis Drakefish, c'est en fin de semaine qu'il y a eu. Oui. Ils ont eu une subvention, quoi. Oui. 3500. C'est la ville qui a donné ça à jour. Oui, dans notre plan de commandite, dans notre plan de support financier, oui. OK. Félicitations à Gagne de Jeunes qui avait le samedi à Marino. Pas à Marino, à la plage, là, qui nous ont aidés. Quand on a fait les hold-up. Oh, oui. Ouais. Ça a bien été les jeunes. Moi, j'ai rien à dire là-dessus. Super. Pour ça, peut-être ça, j'ai reçu de me répondre tantôt. C'est sûr que les jeunes sauveteurs ont travaillé moins un peu. Il y avait moins de jeunes à surveiller dans l'eau. Oui, mais c'était pas pire. Non, on a eu de... Oui, oui, ouais, j'ai rien à dire. Un autre affaire que je peux pas dire. J'ai pas vu Yann Bouchard. Tu m'avais dit... Là, dans Larry? Rue. Larry. Y a-tu fait un message? Parce... Oui, absolument. Puis, t'as quoi, j'aurais d'autres choses à lui demander. Je l'ai pas vu pendant. OK. Tout. Bon, ben, je vais le reprendre. Je vais lui redire. Là, je sais que dans cet incite, ils sont dans le chemin de l'île. Là. Mais il m'a dit qu'elle allait vous voir. Oui. T'as quoi, ce que... ça n'a pas rapport avec l'autre jour. Long de la route de Pakenton, j'aurais une rentrée à me faire. C'est si la ville, il faut que je voie. Bon, non, c'est le ministère. Puis, vous êtes sur quel chemin? Chemin monte à Pakenton. La route Saint-Benoît. Oui. Route Saint-Benoît. C'est une route numérotée, c'est ça? MTQ. C'est une route numérotée, ça? Oui. C'est MTQ. MTQ. Oui. C'est MTQ. C'est numéroté. C'est une MTQ. MTQ, OK. Oui. Mais je vous demande quand même qui vous appelle. C'est Larry, son nom. Oui, ça, c'est un autre. Ça, c'est un autre avis. Merci, okay. M. Bélanger. M. Ouellet. Oui. Concernant les bacs, les gros bacs, les qui détermine... les ouais. Oui. Oui. Qui détermine l'endroit pour les localiser? C'est-tu la MRC, RIDT? En partie, je vous dirais, grandement orienté par le contracteur. C'est-à-dire que le contracteur, avec son camion, quand il y a des aspects de sécurité, donc quand il y a des aspects où il y a des endroits où il va sortir, par exemple, qui va créer un danger pour lui, je ne l'ai pas mentionné, mais on a eu un accident. Oui, c'était pas vraiment ça. Si je dis... À quelle intersection que vous décidez de les mettre? Mettons, quelle rue ou quelle... Bien, c'est ce que je vous disais, c'est que des secteurs où ce que vont être dictés par l'entrepreneur, c'est-à-dire que des secteurs qui sont dangereux. Donc, quand on va faire la collecte, puis on ressort dans une courbe, par exemple, puis qu'on peut se faire entrer dedans, il y a des évaluations qui sont faites par l'entrepreneur qui vont nous dire, moi, là, dans cet endroit-là, je peux plus aller faire de sélection. Après ça, on regarde en fonction du nombre de résidents, en fonction de qu'est-ce qu'on met en place. Est-ce qu'on met des bacs roulants en place dans ce secteur-là où on maintient un gros conteneur à déchets? C'est ce qu'on a fait l'exercice avec, certains citoyens qui ont été rencontrés, mais avec la RIDT, puis nous autres à la Ville, quand on a eu des décisions à prendre. Parce que sur les photos, vous avez montré, j'ai reconnu un endroit que c'est sûr c'était un chemin pour les... ça. Il y a des chalets au bout de ça, mais l'hiver, il y a peut-être un ou deux propriétaires qui vont là. Oui. Fait que c'est pour ça que les bacs, à un moment donné, ils se ramassent, sont enterrés dans la neige. Peut-être que ça serait bon de faire juste quelques bacs à roulettes, ça ferait la job. Ça a fait partie de la réflexion. Ouais, on connaît ces secteurs-là. Les secteurs qui ont des chalets, comme on l'a mentionné, Maxime, il y a des places où il y a des bacs à roulettes qui seraient partagés. Là, pas chacun notre bac à roulettes pour 17 chalets. Là. Ça peut être 5-6 bacs à roulettes, c'est complètement suffisant. Donc, tout ça, c'est évalué, puis ça va être recommandé, puis ça va être mis en application. Parfait. Juste une question au niveau de... Quartier Notre-Dame, la vieille station de pompage pour l'eau. Oui, sur le bord du... au bout de la marina. Ouais, en bas de la piste cyclable. La prise d'eau. Ouais. L'ancienne prise d'eau. Oui. Et un réservoir à l'huile qui est là. Est-ce qu'il y a encore de l'huile là-dedans? Parce qu'il est tout en train de contaminer le sol. Je ne sais pas s'il y a encore de l'huile dedans. Contamine le sol, il y a des pertes. Pardon? Il y a des pertes. Oui, mais on voit qu'il y a eu des pertes. Je ne sais pas si c'est tout vidé, mais il y avait des... un remblai avec des tailles, puis on fait le bac par-dessus ça. Fait que là, c'est tout... je sais pas si c'est encore de l'huile dedans ou... J'ai l'impression qu'il a été vidangé, là, parce que quand on l'avait fermé, mais je vais le valider, puis de toute façon, je vais m'assurer que ça va être décontaminé. Pourrait même être enlevé, là. Ça va être à décontaminer aussi. Oui. OK. Puis si vous gardez le bâtiment, ben ça sera à voir la toiture, là, ça va être à refaire, en tout cas. C'est des choses, là. Fait que c'est tout.
Merci de votre compréhension. Parfait. Je le mets en suivi, Chantal, aussi. Je vais avoir un suivi là-dessus, la tinque à l'huile. Oui. Tant pis. Je veux savoir ce qu'il y en est. D'autres questions sur les réseaux sociaux? Rien d'autre. Parfait. Donc, une dernière question, M. Bélanger, c'est beau. Donc, proposé par la levée de l'Assemblée à 20h35. Pascal Maillot. Pascal, appuyé par? Mayenne. Merci. Merci tout le monde. On vous souhaite une belle fin d'été. Il reste encore des belles journées. On a encore des touristes qui sont chez nous. On vous invite à être le plus accueillant possible. Il y a encore des restaurants qui font des belles offres de repas, des belles terrasses. Profitez-en. Il fait beau, il fait chaud. N'oubliez pas que dans 2 mois à peine, on va sortir manteau hiver, tuque et mitaine. Donc, plaignons-nous pas trop de la chaleur. On n'en a pas eu beaucoup. Profitez de nos commerces, profitez de nos restaurants, profitez de nos loisirs. Puis on se revoit au mois d'octobre, dans le froid et le vent automnal. Merci.